Patrick Watson. Salut, ça va. Donc là, tu m'as dit, ça fait une semaine que tu es en Europe. Ouais. Les concerts t'ont pas trop manqué pendant 3 ans? C'est sûr que ça me manque, mais c'est sûr que c'est bon de garder ça parce que quand les tournées arrivent, là, c'est assez intense que c'est pas grave, là, un an et demi de congé. Ouais. Là. Et avec la paternité, ça va te changer ou pas? Les concerts, tu vas ralentir un peu? Tu fais des règles différentes qu'avant que j'étais un père, c'est peut-être des tournées de un mois. Peut-être en fait 2 semaines et demie maximum. Mais je pense pas que c'est mieux d'avoir un père qui est chez lui, qui est triste, qui fait plus les concerts, que avoir un père qui voyage, qui est inspiré pour partager ça avec mes fils. Et c'est sûr que si tu passes une année en tournée, tu es presque toujours en voyage. Et c'est quand même des lieux en général très inspirants. Tu vas rencontrer plein de mondes différents. Fait que c'est sûr que je garde mes oreilles ouvertes pour avoir des histoires qui peuvent m'aider pour écrire les chansons plus tard et mes yeux ouverts de trouver des places inspirantes. Fait que... C'est pour ça qu'il y a un peu une image de rêveur ou de mystique qui te colle à ta peau. C'est un peu vrai, tu as un peu la tête dans les nuages. Ouais. Oh, time keep on passing us by. Into giant streets, can't stop us. I'm living out our lives. Je cherche toujours des expériences qui sont soit le pied à la terre, mais un côté fantastique à la même temps. J'aime beaucoup ce mélange-là. Dans la vie en général. C'est ça? Ouais, les science-fiction, mais les science-fiction avec les pieds sur la terre. D'où le titre de ton album aussi. Est-ce que la finalité, c'est pas que les aventures, ça commence en bas de chez soi? C'est juste que quand tu voyages beaucoup, que tu es toujours en voyage, quand tu reviens chez toi, tu as une autre façon de voir d'où tu habites. Tu es encore dans le mode de voyageur. Tu apprécies énormément la place où tu habites, énormément les choses autour de toi, que si tu es toujours là, ça commence à disparaître devant tes yeux. Pour moi, c'est un peu ça que je voulais partager avec le monde. Et des fois, tu vas passer des gens sur la rue que si tu es un peu plus ouvert à ça, tu aurais aussi inspiré que voir n'importe quel film autour de toi. Il y a des histoires fantastiques tout autour de toi que tu ne sais pas. Et du coup, est-ce que c'est un rapport avec ta pochette d'album, avec les maisons miniatures et quelqu'un de très grand? Non, c'était plus un rapport que... Il y avait un monsieur qui a construit tout un village en arrière de sa maison, qui est très bizarre, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Avec des écoles, une église. C'est vrai? Tout un village au complet. Et je trouvais que c'était une belle petite histoire d'amener pour la pochette. Because it was always the side. Just right behind. Right up ahead. Enfin, ton album a été très très bien accueilli partout. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter que la tournée se passe dans de faire de belles rencontres, de trouver des maisons cachées dans des jardins? On espère d'avoir des expériences magiques sur la scène, parce que faire des spectacles pour vraiment quelque chose de touchant et émouvant, et de transporter un foule dans une autre place, de donner une vacance pour une heure et demie de leur vie. C'est ça la chose que je veux faire le plus quand je suis en tournée. Et c'est sûr qu'il y a certaines villes qu'on est content de revenir et revenir, parce que tu commences à sentir un peu chez toi dans certaines villes chaque fois que tu reviens. C'est comme une petite maison partout. Fait que je suis toujours content de revenir dans certaines villes. Comme à Paris, j'adore jouer le piano. Je sais pas pourquoi, mais c'est une ville qui m'inspire beaucoup juste à jouer plein de piano classique. Et je suis toujours content d'être ici. Et du coup, la salle Play-It... Enfin, tu t'y joues dans 3 jours, tu as réservé des trucs? J'ai fait ce spectacle-là une autre fois avec le Cancer Gabar. C'est quand même un spectacle spectaculaire, pas à cause de moi, mais à cause de... C'est quand même un gros orchestre. C'est des arrangements qui étaient... L'arrangeur a fait vraiment un bel job. Fait que même pour moi, sur scène, ça me surprend encore quand on joue ces shows-là avec les orchestres. C'est tellement émouvant que même pour moi, des fois, c'est un peu trop émouvant quand je chante, parce qu'il y a comme 80 personnes en arrière de moi qui font un son. Et ça me vient chercher plus que ma propre voix. Et... C'est quand même une expérience très spéciale pour moi. Merci beaucoup, Patrick. Non, plaisir. Je te souhaite de belles expériences. Oh, cheers, thank you. Nice cheers on the microphone. Never seen that before. Started as lovers, don't know where it's gonna end.